Salut tout le monde, c'est Foudrage. Aujourd'hui on va découvrir ce jeu. Alors pour moi ce jeu c'est un jeu d'aventure, exploration, action. Donc on va voir de toute façon dans le gameplay un peu comment ça joue. Pour moi c'est un jeu d'enfant hein, qui est assez basique. Donc on va voir ça dans le gameplay. Le jeu est à 14,99€. Vous avez la possibilité de jouer sur la démo. Donc tout ça je mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez jouer à la démo ou acheter le jeu, ça c'est à vous de voir. Donc moi j'ai joué un petit peu pour voir juste vite fait le gameplay, tout ça, et sans plus. Le jeu n'est pas en français, il y a beaucoup il y a pas beaucoup de dialogue. Donc bon, moi j'ai pas eu besoin de comprendre ce qui était écrit pour comprendre, pour savoir jouer. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer. Par contre, il y a quand même pas mal de cinématiques qui n'est forcément pas en français. Donc je vous laisserai quand même la cinématique, pour ceux qui comprennent l'anglais. Peut-être que ça peut être intéressant pour vous de savoir ce qu'ils parlent. Donc tout ce qui est cinématique, je vais vous le laisser. Et je peux vous dire que les cinématiques sont assez longs. Donc voilà. Vous êtes prévenus. Alors, on y va, c'est parti. On va faire une news game. On va faire medium. Et c'est parti. Take over the realm, foiled by a jester. Did you see the look on the captain's face when he realized we had it? There they are! Get over here! Come on, hurry up! I was too busy watching you work those clowns over it. I did learn from the best. Which way? Quickly, in there. Come on, hurry up! Slow down, will ya? I'll catch up. Ooh, nice. Thinking the same thing. We back at the same place? Duh. You was right. Gotcha. That's not a hammer. This is a hammer. Hey, Jimmy. I thought I saw something over there. Hey, wait for me. Phew. I think we lost them. I think we did. Show it to me. The map. Jax, look out! Night, night. Jax! Chlamydia! You have got to be kidding me! Am I? It's not your time. There is still much to be done. Whew! Close one. Are you? Yes! Oh, okay. Now, listen carefully. A map to the Druid Orbs cannot fall into the hands of the clowns. Save Chlamydia! And she will show you the way. Okay, let's get one thing straight. No one touches Chlamydia, and those orbs... Enough!
The clown noses are the symbol of their pride. Take them, and I shall reward you. What? There's a reward? Now you're talking. Take the noses? I can do that. Easy. Now, wake up and get that map. I will watch. Give it up, dollface. I don't know what you're talking about. All right, fine. We're gonna do this the hard way. You just won yourself a date with the big nose, sweetheart. Grab her, boys. Oh, she got him right in the cannoli. Get your hands off me. Take that. My nose! Hey, you two, get a hold of the broad. Oh, you're gonna like talking to the big nose. Put me down! What about the jester? You stay here. Make sure he don't go nowhere. I'll be back. Not such a tough guy now, eh? Stupid jester. That hurt? It's alive! Hey, what's all that noise? What the? Huh? You've done it now. Use the attack button, Jax. Ok, donc vous avez pu voir que la cinématique est vraiment très longue. Quand on regarde comme ça, ça a l'air d'être vraiment stupide. Les gars sont très stupides. Mais peut-être que si les paroles sont en français, ça pourrait être peut-être plus drôle, ou ils doivent dire des choses quand même assez sympas, je pense. Donc à voir, peut-être que le jeu sera en français ou les paroles, donc voilà. Alors pour ceux qui ont compris, donc ça tombe bien pour eux. Donc voilà, alors on va commencer déjà par le baston. Donc voilà un peu comment ça se passe. Voilà. Alors, les boules rouges comme ça, c'est une sorte de level que vous gagnez dans votre personnage en haut à gauche. Les points de vie sont en haut à gauche, la barre verte. Vous avez donc des sortes de canas. Plus vous débloquez les canas, plus en gros vous venez un petit peu plus fort. Et c'est en débloquant les canas que vous gagnez. Non, c'est avec les boules rouges, pardon, que quand votre boule est pleine à droite, vous gagnez un niveau. Ce qui veut dire qu'il débloque le canas. Ok, j'arriverai. Fou. Donc j'espère que vous avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le graphisme est plus ou moins sympa, je dirais. Ça fait un peu fantasy, manga, je trouve. Voilà. Pour bouger le personnage, c'est assez... comme vous pouvez le voir, pour moi, ça fait bizarre. J'ai l'impression de jouer à un vieux jeu, parce que les vieux jeux, je trouvais qu'ils bougeaient comme ça. Donc voilà, bon, nous on va continuer. Up already? Ah, where's that pretty girl you went with? Oh, that's right. I took her. Hey, how's your head? Hey, guards, get over here. I'll be right back. We'll talk. Donc on va faire, on va un petit peu avancer dans le jeu et vous allez voir un peu comment ça marche. Wrong guy. Pour l'instant, c'est assez facile, hein. J'aurais très bien pu. Donc là, en anglais, il vous dit qu'est-ce que c'est, à peu près. Hein. Entrée. Voilà. Après, je pense que vu que c'est le tuto, c'est tout à fait normal que c'est facile. Hein. Après, peut-être que ça deviendra peut-être plus dur. Hein. Voilà. Il nous explique qu'on peut... Bah alors, vas-y, espace. Ok, maintenant c'est espace. Donc là, il nous montre qu'on peut sauter. Hein. Hop. Voilà. Là, on peut rien faire.
On va devoir passer par là, voilà. Press the counter button when you see the fist. Voilà, le... contre-attaque. Ça les met un petit peu KO quand on fait des contre-attaques. Boo! Oh crap! Look out, he's behind a crate! Donc ça doit être un jeu qui peut être on peut pas tout, on peut rien casser pour l'instant. Alors je sais pas si on peut on casser par la suite hein. Pour l'instant on peut juste les faire bouger. De toute façon ce jeu c'est plus ou moins. Là on peut faire quand ils sont au sol on peut les terminer facilement. Voilà. Voilà, on récupère ça. Donc c'est un peu comédie quoi. Mais je suis sûr qu'en français ça peut être peut-être plus drôle. Don't you touch that. I mean it. Don't touch it. Mais ça reste pour moi quand même assez pour enfants quoi. Après c'est à vous de voir hein. La couleur des personnages la tête des gardes ouais ça c'est pour la vie hein. Ouais allez vas-y entrez un coup ça doit être entré un coup c'est autre chose. Donc déjà la tête du personnage c'est un peu pour enfants. Hein. C'est des têtes de clown et tout. Donc là on peut faire des combos. You're outnumbered. Over here you ouch. On a des trucs comme ça aussi qui peuvent être sympas, mais on va continuer. Mais bon, à voir quoi. What you doing in there? Reading. You can't read in there. Why not? This here is an official clown army spawn point. You're blocking the spawning, pal. Hey, when you gotta go, you gotta go. What you reading? Big Red Noses, July edition. Hey, it's the blue guy! Oh! Get off the sea! Who's blocking the spawn point? Coming through! Defend the outhouse! Gonna pay for that. Oh, ça reste pour enfants, mais il y a quand même des choses spéciales quand même dans le truc. I got him. Coming in. On va récupérer ça. Comme vous pouvez voir, des choses un petit peu plus renforcées, quoi. Voilà. Ah, on a un petit truc sympa, mais sans plus, quoi. C'est pas vraiment nécessaire, on va le passer. Super technique costaud, voilà. C'est un petit level pour aider. On a détruit le... Bon. Plus ou moins sympa quoi, je suis sûr que ça peut être sympa. Alors, hop. Jester, you were supposed to stand still. Next time, you won't be so lucky. I'm coming for you. Land ahoy! Coming ashore. You trap. Vous voyez, quand il attaque, il...
Là. On va récupérer ça. Voilà. On va activer ceci. Et c'est à ce moment-là que je me suis arrêté. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a après. Donc vous avez des sortes de mécanismes comme ça. Et vous devrez forcément essayer de... Voilà. Là, il y a un archer. I'm deadly from... Hammer your foes from afar. I'm a distant. Voilà. Hammer through. Pretty barbers. On a fait le contre. Hop. Voilà, ça reste comique quoi, c'est un jeu comique. Ça va être sûrement pour bouger le reste. Ouais. Par contre, on va pas y aller tout de suite. Est-ce que je peux casser quelque chose? Si je fais le grosse attaque. Non, ça casse rien du tout. Alors j'ai pas fouillé encore la zone, donc on va peut-être fouiller, peut-être qu'on trouvera des choses. Pour l'instant on peut rien casser. Je pense que je vais devoir passer par là. Ok, j'ai raté. Par contre quand vous mourrez, bah vous pouvez revenir à la vie quoi, assez facilement quand même. Voilà, on est mouillé mais c'est tout quoi. I heard they're recruiting for the jungle. Okay. Yeah, hop. You gotta do like 5 push-ups in a row. Find the hidden bubbles, Jax. Ok, d'accord. Si on en a 10, je sais pas trop à quoi ça peut servir. Ok. On va tester, on va voir ce que ça donne. Bon, ça nous donne des petits trucs comme ça. I'm thinking of going for it. Donc là, on a une cabane qu'il faudra détruire en premier, je pense. Ah, I needed that. It's the jester. Come get me, jester. Ouais, c'est assez comique. C'est pour ça, c'est dommage que je... Bon, c'est pas ça qu'on voulait faire. Je voulais le faire dans le... On a pas un truc de vie ici? Il nous faudrait peut-être un truc de vie. On va juste récupérer ça, ça. Ah, voilà. On va pouvoir activer ça. Careful what you wish for. Ok, là on peut rien faire. On va peut-être prendre ça. Ouais, alors rien d'autre. On va refouiller peut-être les caisses ici. Ok, y a rien. Gotta catch that clown, Captain. No escape now. Target practice. Ah, j'ai oublié de sauter. J'ai trop avancé et j'ai pas sauté au bon moment. Donc des fois ça marche pas très bien le saut. C'est pour ça qu'il faut faire plus ou moins attention. Gotta catch that clown, Captain. You're trapped now, Bellboy. Hey.
Why's he moving? Hey, come back here. Hey, stand still. Target practice. Hammer through. Ah! In my sights. Almost there. Hammer through. Je dois sauter où exactement? Ah bah non. Moi ça serait plutôt de ce côté là. Voilà. He's coming. Do you see him? The blue guy's coming. Who's coming? Huh. Voilà. That always cracks me up. Over here. Come and get me. I've got a big plump rump. Ouais, c'est... Hop. Kiss my butt, yes sir. Your one waves his rump at me. Hammer through. Here he comes. Off my toe. Ah, on peut... Oui, tout ça aussi. Clowns war. Take that. Take that. Ah. Évasion. Ok. Faut que je fasse un truc d'évasion. Hey. Là j'ai un problème. C'est au moment où qu'il attaque. Ah, ok d'accord, c'est bon. J'ai un problème là. Don't hit me again. Ouais, j'ai un gros problème. Je crois que j'ai un bug de... Mon personnage bouge pas comme il faut. What a wimp. Ah, donc il m'a eu, il se pète de rire. It's a great plan. D'accord. Ouais, comme vous pouvez le voir, j'ai mon personnage qui court tout seul. Je sais pas comment faire le stopper. Donc voilà le bug que vous pouvez avoir. Alors moi je l'ai jamais eu, et je sais pas du tout comment le stopper. Ah, je crois qu'il s'est... Il s'est stoppé tout seul. Ouais, c'est bon. On va fouiller un peu là-dedans pour voir si j'ai pas d'autres. Ok. Donc, de toute façon, c'est une démon. Je pense que c'est tout à fait normal. Qu'il y a des choses qui bug. He was a good clown. Rearrange his face. Oh. Oh dear. Nice try, clowns. Okay, on va récupérer. Gotta raise the crit. No one's up here. Okay. Go away. On va encore jouer un petit peu, je pense, et on va s'arrêter là. Vous avez plus ou moins pu voir le gameplay. Je peux... Non, je peux pas toucher les poteaux. Voilà. Hop. On va continuer encore pour voir ce qu'il y a après ça, et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Where is that clown, Captain? Gotcha! I'm feeling this. Mama!
Hey! Ouch! Noses! So, where is he? I don't know. I left him out there, like you said. So, where is he? He's not out there. Zut. So, where is he? On revient où? I don't know. I left him out there, like you said. Ici. So, where is he? He's not out there. Who started him? Je crois que je saute trop tôt en fait là. So, where is he? I don't know. I left him out there like you said. So, where is he? He's not out there. Voilà. Who started the platform? I did. Ok, on est ici. He did. Je sais pas si je peux faire. On va voir si je peux faire mon grosse attaque là. Voilà. Ils sont morts. Ouais. Là, lui, il se bat. Ouais, il est encore là, c'est bon. Ouais, il est tombé dans l'eau. Alors, on peut s'amuser encore à tout détruire. On peut aller là où on peut monter, on va monter pour voir ça. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Oh, y a vraiment quelque chose à faire en fait. Having fun? On a entendu un petit chat miauler. On va encore faire ça et après on va s'arrêter là. Donc là c'était là où on était déjà venu. Et on a fait tout le tour juste pour retourner le pont. Et là il y a encore des ennemis, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Donc vous avez pu voir un peu le gameplay, comment jouer tout ça. Ça a l'air d'être un jeu pour enfants, mais il y a peut-être certaines choses qu'il dit en anglais qui est peut-être un peu spécial, je pense. Je crois que j'ai compris 2-3 petites choses, mais sans plus. Il y a peut-être certaines scènes aussi qui est vraiment spécial aussi, je pense. Donc voilà. Après, c'est un jeu qui est plus ou moins sympa, à vous de voir. Moi, je sais que je vais pas jouer 10 heures sur ce jeu, quoi. Mais voilà, je voulais vous le présenter, comme ça vous savez un peu ce que c'est comme jeu. Donc ouais. Donc j'espère que ce petit jeu découvert vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un j'aime, abonnez-vous. Allez, à plus.